congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve la structure de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso. La redynamisation de la coopération militaire entre les royaumes de la Belgique et la République démocratique du Congo a été le 18 mai 2023 au centre des discussions entre la forte délégation congolaise conduite par le vice-ministre de la Défense Sami Adubango Aoto et le ministre belge de la Défense Madame Ludivine Debonnaire. Représentant les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, le ministre Sami Adubango a séjourné à Bruxelles en réponse de l'invitation du ministre belge de la Défense. La formation et l'armement des troupes congolaises ont fait l'objet de l'échange entre les deux parties. La délégation congolaise a également été accueillie avec solennité à l'école royale militaire de Belgique par l'amiral Yves Dupont, aide du camp du roi des Belges. Après une brève présentation de la délégation congolaise et des formateurs des Belges, le vice-ministre Sami Adubango Aoto a fait connaissance avec les élèves militaires congolais en formation à l'école royale militaire et visité l'école de grande renommée qui a vu défiler plusieurs officiers de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi une visite guidée des infrastructures du département de la recherche en intelligence artificielle militaire et la signature du livre d'ordre de l'école royale militaire. Avec les ministres belges de la Défense, le vice-ministre de la Défense de la République démocratique du Congo a signé les statuts des forces belges présentes sur les territoires de la République démocratique du Congo avant la découverte de l'industrie militaire belge dans les perspectives de doter les forces armées de la République démocratique du Congo de nouveaux équipements. La République populaire démocratique de Corée compte renforcer et poursuivre les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. Cette volonté de la Corée du Nord a été exprimée par son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo au cours de l'audience lui accordée le mardi 16 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Mbemba Gombo dans son cabinet de travail. Nous avons exprimé notre volonté de voir les relations continuer sous les bons auspices entre la République démocratique du Congo et la République populaire démocratique de Corée, a déclaré l'ambassadeur nord-coréen Kim Myong-sik. Par ailleurs, il a souhaité le rétablissement dans le meilleur délai. On a d'abord voulu féliciter son Excellence pour sa brillante nomination à ce poste stratégique très important, surtout en ce moment très difficile pour la RDC. Donc j'ai voulu lui payer la visite au Toisier pour le féliciter et puis pour lui souhaiter plein de succès. J'ai aussi profité de l'occasion pour lui exprimer nos sincères condoléances pour nos
lourdes pertes humaines et d'immenses dégâts matériels suite aux inondations au site Kivu. Et puis nous avons aussi souhaité le rétablissement dans les meilleurs délais de tous ces dégâts. Et puis Julie a souhaité aussi plein de succès dans ces travaux très importants et très stratégiques pour la souveraineté du pays et l'intégrité territoriale, la stabilité du pays. Et surtout, son excellence a insisté beaucoup sur le déroulement pacifique des élections à la fin de cette année. Et Julie a souhaité aussi un bon déroulement. Oui, on a parlé, on a un peu passé en revue les relations bilatérales et puis on a souhaité la bonne continuation de nos relations, excellentes relations bilatérales dans tous les domaines. Mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire de Kitono, Congo central. Le chef d'état-major général des FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade de Kitona, le lieutenant général Tio Isongesa Christian leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Tshui les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congo, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Naligina komisanano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino denge bozalaki lelo pe na moni bino denge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezwi poso mosusu na moni poso ya soldat discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire denge toza ao. Armée est en mission na yango. Sur le bobima, pour présenter ni na mboka. Et Sengeli, pour présenter Eloko na mboka. Eloko wana, c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que Toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire de Kitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion baptisée Guépard. Enfin, les volontaires de la promotion Guépard de Kitona ont exprimé leur gratitude au commandant suprême pour les bons déroulements de leur formation. Jusqu'à la impeccable, la causerie morale s'est terminée, comme d'habitude, par un défilé des troupes. Dans son agenda de ce mardi 23 mai 2023, le commandant 31e région militaire est commandant en place. Général-major Mujinga Mishtimote a été briefé sur les opérations qui sont menées pour mettre fin à ces conflits intercommunautaires entre Mbole et Lingola. Le commandant région a placé un mot aux militaires de la compagnie Génie. La banzi, c'est aussi pour les différents périodes où il y a beaucoup de choses. Je suis à disposition de Nayo. Je suis en repos population, ça là, nous voulons Moula et je suis en Mawa. Pour profiter de période à partir de la lobby. Je suis en train de faire des armées, je suis à la police, parce qu'il y a déjà une mission à prospection.
Après, le commandant région a fait la ronde du centre d'instruction Lokusa pour s'enquérir du niveau des travaux, des réhabilitations des dortoirs, des constructions des messes et WC. Bénéfique pour les recrues sur la vérification de leur niveau et des sages conseils. C'est dans la soirée que le commandant région a quitté Lubunga. Un croisement avec le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières. Le commandant région lui a restitué le but de sa traversée dans la commune de Lubunga. La population est le centre de gravité, et pour le gouvernement, et pour l'armée congolaise. Raison pour laquelle le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pezo, fait de la sécurisation de la ville de Goma son cheval de bataille. La task force participative, initiée par cette région militaire, a poursuivi ce mercredi 24 mai la campagne de sensibilisation générale pour la paix et la sécurité participative citoyenne. Bruno Pezo revient sur le bien fondé de la campagne qui prône la sécurité participative dans la ville de Goma. On a appelé à une participation active de la population pour assurer ce premier axe, le contrôle du milieu. À chaque instant, à chaque moment, on est informé de tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que la population participe à travers la task force qui est participative. Les militaires seuls et la police ne suffiront pas. C'est ainsi que la population est appelée également pour contribuer à faire marcher cet axe-là de contraindre l'adversaire. Pourquoi ? L'adversaire doit se sentir menacé partout où il est. Il sait que chaque maman là où elle est, chaque enfant là où il est, chaque étudiant, chaque groupe de pression, l'individu où il se trouve, il constitue une menace pour tout fauteuil de trop. L'influence de la perception. Il faut influencer la perception. La population doit comprendre que la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. La caravane motorisée a sillonné trois quartiers ce jour, à savoir Mourara, Mabanga Nord et Sud et Katoï. Les comédiens de Goma contribuent à cette sensibilisation. Jonathan Boukouli a demandé aux habitants de quartier précité à donner les informations en temps réel pour combattre l'insécurité dans la ville. Benin Boutatunda, un jeune de Goma, salue l'effectivité de cette campagne et invite la population à s'en approprier. Si la population, toute la population toute entière s'approprie cette campagne, s'approprie cette organisation, cette politique de dénonciation, nous pensons et nous espérons que nous aurons une ville stable d'une manière sécuritaire. Notons que cette task force est mise en place jusqu'à la restauration de la sécurité dans la ville de Goma et la collaboration civilo-militaire est scellée. Vendredi le 19 mai 2023, visite du commandant force terrestre à Sego, chargé des opérations et renseignements du général-major Ilunga Pekoedmo au secteur opérationnel Sukula de Nord-Sud Kivu, accompagné avec le commandant 33e région militaire, le général-major Yav Avula. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le commandant secteur opérationnel Sukula de Nord-Sud Kivu, le général-major Mukala Ngoï François et les membres de son état-major. Alignement, gardez-vous, portez, armez, à vos ordres. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que déterminées et sont optimistes pour leur montée en puissance effective dans l'objectif de remplir efficacement ses missions traditionnelles et ce, dans le respect des règles d'engagement. C'est dans cette optique que le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel,
vient de tenir une séance de travail dans la salle des réunions à l'intention de la délégation des attachés militaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Ce mercredi 24 mai 2023, de 10h15 à 11h20 heure locale. Au menu des échanges, plusieurs situations sont passées au peigne fin entre le commandant de la 3e zone de défense et la délégation en vue de s'assurer de l'évolution positive des forces armées de la République démocratique du Congo, tant sur le plan opérationnel que sécuritaire. Pour un an, l'entreprise Mogaba ont déterminé à moderniser l'aéroport national Murongo de Bunia passe à la vitesse de croisière dans les temps prévus, tout en respectant la normalisation des infrastructures aéroportières telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y arriver, son directeur général élu Joseph Akilimali a fait appel à une équipe d'experts de l'entreprise d'Interplan qui a eu ses lettres de noblesse en matière aéroportière au monde, en vue de galvaniser ses travaux. Nous sommes en train d'accompagner l'entreprise dans l'ouverture des carrières pour permettre la production de concassés qui va servir pour la mise en œuvre des chaussées aéronautiques à l'aéroport de Bunia. Une fois la production aux carrières a commencé pour les concassés, nous pouvons estimer que déjà jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons avoir extension de pistes finie et poursuivre avec les tarmacs et taxiways terminé dans la première moitié de l'année 2024. C'est aujourd'hui vendredi 19 mai 2023 que cette équipe a été présentée auprès du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachoma Djouni. Au sorti de l'audience, le patron de l'entreprise Mogabaon a sollicité l'accompagnement de la population et appelle cette dernière à demeurer confiante à son entreprise qui fait le bonheur des Congolais en général, en particulier les Ituriens. Comme ça que vous me retrouvez aujourd'hui, venu présenter au gouverneur une équipe de la société Interplan, qui est une normalement firme suisse, qui vient nous accompagner dans les contrôles, la surveillance de l'exécution de ces travaux. Gardez toujours confiance à la société Mogabaon, mais aussi savoir que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour Mogabaon, mais c'est pour la population. Que la population accepte que c'est leur route, c'est comme leur parcelle. Ils doivent la rendre propre, ils doivent la garder propre. Rappelons que l'entreprise Mogabaon s'érige sur les gâteaux dans l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia, dans la construction des infrastructures socio-économiques de base, notamment des ponts, grâce à sa base logistique centrale moderne, son usine de production des arrobés, ainsi qu'un personnel qualifié, pétri d'intelligence et de patriotisme au service des communautés ituriennes pour son développement. Affaire spoliation des biens immobiliers de l'État en ville de Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima Kongba, ne cesse de prendre des mesures idoines pour protéger les terrains des domaines publics et privés de l'État. Contrairement à tout ce qui se raconte par certaines mauvaises langues, le lieutenant général Constant Dima n'est nullement auteur des cas de spoliation décriés à travers la ville volcanique. La précision est des deux membres du cabinet du gouverneur, à savoir Maître David Kamoua et Maître Achille Kalouene, respectivement conseiller principal en charge des finances et expert en matière juridique et foncière. C'était au cours des échanges qu'ils ont eus avec la presse ce vendredi 19 mai 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. L'expert juridique du gouverneur Achille Kalouene insiste sur le fait que les parcelles de l'État ne sont pas sujettes à être vendues. Toutefois, dans certaines conditions, le ministre national de l'Habitat peut procéder à des désaffectations. Achille Kalouene révèle que les le phénomène de désaffectation a commencé en 2010 et qu'en cette période de l'état de siège, aucune désaffectation n'a été faite. Il énumère une dizaine de litiges en ville de Goma. Parmi eux, certains sont devant les juridictions. L'État doit rentrer dans ses droits. L'État doit récupérer son patrimoine. L'État doit récupérer son patrimoine. Alors l'État va récupérer son patrimoine comment? La commission est déjà là. N'est-ce pas pour faire le constat? Donc, deux mécanismes seront activés. Mécanisme extrajudiciaire. Là, il y a une commission chargée de récupération ou de démolition de constructions anarchiques.
Et pour des questions qui nécessitent l'implication de la justice aussi sera mise à contribution. Parce que je vous ai dit que pour certains dossiers, les cours et tribunaux sont déjà saisis. Je vous rappelle aussi que l'État c'est une personne morale, qui a le droit de jouissance de ce droit. Non seulement le droit de jouissance, mais aussi le droit de revendication de ce droit à justice. De son côté, Maître David Kamoua, conseiller financier, soutient que des agitations enregistrées actuellement dans les chefs de quelques personnes sont justifiées par des raisons électoralistes. Le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, n'est auteur d'aucune spoliation. Les actes qui ont été posés il y a 10 ans, il y a 5 ans, ne peuvent pas être imputés à l'autorité provinciale. Nous reconnaissons qu'il y a certaines, mais ces spoliations ne sont pas l'œuvre du gouverneur de province ni l'œuvre de l'état de siège. Ce sont des faits qui ont été posés avant même l'état de siège. Le gouverneur de province, en vertu du principe de la continuité de l'État, est en train de prendre des actes et des dispositions pour protéger et sauvegarder le bien du domaine privé et du domaine public de l'État et à travers la commission dont le mandat vient d'être renouvelé. Et ici, nous voulons terminer en disant, comme le dit si bien la devise du ministère des Affaires foncières, que la terre devrait plutôt nous unir et non nous diviser. La terre doit plutôt nous nourrir et non nous affamer. La terre doit nous procurer la paix et non la guerre. Et nous terminons en disant que le lundi, toutes les activités vont fonctionner normalement. Le gouverneur de province n'a spolié aucun terrain. Aucune activité ne peut être arrêtée à cause des mensonges. Je l'ai dit bien, la population n'est pas une poubelle, ni un déversoir de mensonges. Nous devons la respecter. Tous les politiciens et tous les citoyens doivent respecter la population parce qu'elle en a le droit. Il y a donc à dire que ce sont les politiciens mal intentionnés qui sont en train de salir la réputation de l'autorité et que cela doit cesser puisque nous n'allons plus l'accepter. Signalons que toutes les constructions anarchiques érigées sur la place dite Kamuchanga ont été démolies ce vendredi après-midi sur ordre des autorités compétentes. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.